Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment ajouter un formulaire de contact très facilement sur WordPress avec l'extension WP Forms. Du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors juste là, pour vous montrer, il n'y a rien dans la partie contact de la page. Et du coup, là, on va très rapidement aller installer l'extension WP Forms. Ensuite, ça va être très facile, vous allez voir, très rapide. On va l'installer et activer. Là, directement, on va cliquer sur créer votre premier formulaire. Après, vous pourrez explorer l'extension comme vous voulez. Vous pouvez même créer un formulaire à partir de rien. Nous, on va partir sur quelque chose d'assez simple. On va utiliser le modèle ici. Du coup, là, vous avez un rendu de ce que vous aurez. Vous n'avez rien à faire, pas à mettre en français ou quoi, non, pas du tout. On va cliquer sur Enregistrer, Intégration. Et là, vous allez devoir sélectionner la page sur laquelle vous souhaitez que ce formulaire puisse être intégré. Ou sinon, vous pouvez créer une nouvelle page. Moi, en l'occurrence, je vais choisir la page Contact. On va cliquer sur Allons-y. Et du coup, là, on va cliquer sur Terminer. Là, vous allez cliquer non pas sur Import Layout, ça c'est une extension publique, mais ici sur le plus, vous allez taper WP Forms et du coup il apparaît directement. On va cliquer et là ça nous le ramène directement. J'en ai mis un deuxième, je vais le retirer. Et là, vous sélectionnez un formulaire de contact simple. Moi il y en a deux parce que j'en avais déjà créé un. Vous l'avez. Là, ce qu'il y a ici, c'est la carte. Vous pouvez choisir de le remettre en hauteur. Et là, on va mettre à jour. Et on va aller voir l'aperçu. Et là, vous avez votre formulaire de contact. Après, bien sûr, là, c'est vide. Vous pouvez décider de. Là, vous avez juste à écrire du texte que vous voulez pour avoir une meilleure page. Ça ne vous empêche pas de continuer à modifier votre page. Directement sur l'éditeur de texte WordPress. Je sais pas pourquoi ça l'a pas mis à jour. Du coup, ce sera tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.